Salut tout le monde, je suis Mikarob Gaming et bienvenue dans ce nouvel épisode de Resident Evil 2. Dans le dernier épisode, j'étais encore dans le commissariat. Je suis arrivé. Enfin, j'ai. Pardon. J'ai réussi à avoir le dernier jeton pour aller dans le passage secret qu'il y avait dans le bouquin, enfin dans le carnet. Le lieutenant Brana nous a pas accompagné parce que on savait très bien qu'il était contaminé, hein, qu'il avait été mordu. On nous a donc emprunté le passage secret. Ensuite, j'ai tué un liqueur avant avec le dernier jeton. Je suis passé par là, par le passage secret. Et ensuite, j'ai combattu le père de Sherry Birkin. Hein, je sais plus son prénom. Du père, je m'en parle plus. Donc voilà. Ah, et on a rencontré Ada Wong, qui se fait passer pour un agent du FBI. Donc voilà. Ce que je voulais faire. Oui, c'est bon, c'est ça, c'est bon. Je voulais retourner au commissariat, on peut pas de ce côté-là. Voilà, donc c'est bon, de ce côté-là. On a été ici, là-bas, dans la porte qui était ici. Ok. Les bruits, c'est flippant. Donc on était sur cette porte là-bas. Il y a divers rôdeurs, divers zombies. Enfin, je vais dire rôdeurs parce que j'arrête pas. J'y arrive pas à le dire autrement. Divers rôdeurs, donc dans divers zombies. On va essayer d'être professionnel. Dans les cellules. T'as le bruit s'est arrêté d'un coup. C'est cool là. Non, il y a des zombies là-bas. Oui, je disais, des zombies qui étaient dans des cellules, qui pouvaient pas sortir. Là. Ouais, d'abord ici. Ah, il y a des chiens. On avait déjà eu un, mais qui s'est fait démonter par Ada et Léon en même temps. Alors avant d'aller dans la porte ici, on va prendre la plante ici. Plante bleue. Combiné. Voilà. Comme ça au moins, si je me fais empoisonner, en même temps, je récupère de la vie et je me soigne vis-à-vis du poison. Bon. J'ai vu ce passage là dans une démo, enfin dans une vidéo, il y a un moment déjà avant que le jeu sorte. Et là c'est qu'il y avait les chiens. On va aller tout doucement. C'est ici. Ah, c'est pour le fusil à pompe, mais on va voir plus tard. Ah, c'est là où il y avait les chiens. On entend les grognements là. Il arrive. Ou pas, non, il y en a un encore dans les cages. Ah, il y en a un là. Il est encore en vie. Ah, d'accord. 3 balles suffisent. Enfin, j'espère en tout cas qu'il se réveillera pas comme les autres. Lui 4 balles. Il y en a un là aussi. Je vais les tuer quand même. Au moins ceux-là. Comme ça au moins ça m'en fera moins à tuer quand ils se libéreront. Ah mais c'est pas ici. Ah bah non en fait finalement pas. Il n'y en a pas d'autres. Parce que j'y crois entendre... Non, non. Ah si, finalement je vais faire des munitions de fusil à pompe.
parce que je croyais que j'en avais encore un peu, mais en fait non, j'ai plus, j'avais que 4 balles. Donc là, ça me fait combien? Ouais, 3 balles, ça va. Oh, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc là, non, ça c'est le barricade. Donc là, j'ai fait le tour, je crois, hein. Ok, donc ouais, là en fait c'est bloqué ici. Ah, j'ai cru qu'il y en avait un là. On va utiliser les scies. Donc je pense que il y aura encore dans le commissariat. Voilà, il reste pas là. Est-ce que je peux encore l'utiliser? Oui. Parce qu'il y a une marque en bas. En bas à droite de l'image, en fait, où ça me dit si je peux encore l'utiliser ou non. Donc je peux pas utiliser. Donc là, en fait, j'aurais pas pu continuer, je crois. Alors attends, je vais quand même faire demi-tour, voir si je peux trouver quelque chose. Parce que là, il n'y a plus rien. Les chiens, je les ai tués. Je regarde quand même si j'ai pas loupé quelque chose. Parce que les chiens, ils avaient mon attention. Rien de là-dedans. Ici, il y avait rien. Donc, je viens d'ici. Là, c'est quoi? C'est un parapluie. Là, il y a des zombies qui vont venir par là ou... Non, bah non, bah non, c'est la pièce derrière, donc non. Donc, il y a bien une porte ici. Je vais quand même la regarder. Ah, un stand de tir. Où il y a un zombie. Ah, je peux pas passer de l'autre côté maintenant. Ah, je peux passer par là. C'est quoi ça? Message de Monsieur Raccoon. Salut tout le monde, c'est votre copain de zoo de Raccoon City. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Vous connaissez les jouets, Monsieur Raccoon? Eh bien, j'ai entendu dire que certains garnements les utilisaient pour s'entraîner au tir. Et ça me rend très triste. Les gentils enfants ne feraient jamais une chose pareille, n'est-ce pas? Et puis, c'est très dangereux. Alors ne faites pas ça. À bientôt au zoo, Monsieur Raccoon. Monsieur Raccoon. J'ai dit Raccoon City, mais en fait, non. Je regarde s'il n'y en a pas un derrière. Non, c'est bon. Ici, c'est quoi ça? Une boîte. On va la prendre. Destruction d'équipement. Clé du véhicule de patrouille 7439. Clé pliée, inutilisable, mais pouvant encore ouvrir les portières et le coffre de la voiture grâce au bouton. D'accord, cool. Il faudra que je la trouve alors. Alors, est-ce que je peux l'ouvrir? Ah oui, fallait juste la tourner quoi. Ah bah c'est ça. On va la mettre ici. D'accord. J'ai combien de planches? Une. Je sais pas si j'en aurais besoin dans le sous-sol. Non, c'est la clé carreau qu'il me faut. Il y en a combien? Il y en a une ici, un là. Il y a quelque chose à récupérer, je crois, là-bas, non? J'ai pas de... Ouais, j'ai plus d'objets de soutien, hein. Donc... Il y a un objet là-bas que j'avais vu en arrivant. Des balles de fusil à pompe, merci. Voilà. Et toi? J'ai pas envie de prendre de risques, tu vois, hein? Et non. J'aurais pu en fait passer juste prendre ça et partir sans utiliser de fusil à de balles de fusil à pompe. Bah voilà. Bon, au moins j'ai pris des précautions.
On ne sait jamais. Non, y a rien ici. Ok. Et là, y a quoi? Je suppose que je peux pas rentrer. Non. Va falloir que je réactive pas une centrale, mais comment dire comment ça s'appelle? L'électricité? Ok, maintenant on peut retourner là où j'étais. Bien, 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 bien. Pour l'instant, c'est assez safe, hein, c'est assez tranquille. Je crois que c'était ici qu'on y avait un Lakers. J'avais vu une vidéo de Carole Quintaine et de Julien Chaise qui faisaient la démo et ils passaient par là. On va passer par là d'abord. Ok, là c'est la morgue. Pas la morgue. Rapport d'autopsie, voici, ouais, c'est la morgue. Nom du défunt Justin Hanson, homme blanc, 39 ans. Observation. Retrouvé mort dans sa cellule par les gardiens. Les poings sont encore serrés par la rigidité cadavérique qui disparaîtra vite. Il est sans doute mort peu après l'extinction des feux. Pardon. Le défunt est un kleptomane. Ah bah vieux. Le défunt était un kleptomane notoire. Incarcéré à de nombreuses reprises, il a même continué à voler en prison, ce qui, bien qu'étonnant, confirme son diagnostic clinique. D'accord, il a été tué en prison, quoi. Est-ce que je peux ouvrir? Ah ouais, je peux. Non, c'est maintenir. Il n'y a pas de corps, c'est bon. On peut remettre. Je vais tous les fouiller, tiens. Ah, ça se lève quand il y a quelque chose dedans. Normalement. Rouge, cool. Hop, combine. Oh putain! Ah, c'est lui en plus. C'est les trucs là, les... Attends, je sais pas complètement. Voilà. Ça veut dire que j'ai bien fouillé. Ah, ils m'ont fait peur, c'est con. Non. Voilà, je vais tous les ouvrir comme ça. Comme ça au moins. Comme ça, ça voudra dire que j'ai bien fouillé. Un tout petit peu cela pour dire que y a rien dedans. Ok, ça c'est bon. Oula. Je vais quand même vérifier. Voilà, enfin. Un truc de soutien. Par contre, lui, tu vois, par précaution, s'il se réveille, comme ça, je saurai. Il tapera. Donc là, faudra que je ressorte. On va commencer par le fond. Tu vois, rien qu'avec des cafards, ça m'a fait crier, quoi. C'est dingue. Oula, 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 lui aussi. Il y a quelque chose avec lui? Il y a quelque chose. Faut que j'aille de l'autre côté. Il va se réveiller dès que je vais prendre, c'est ça, non? C'est quoi? Ah, clé carreau. Il va se... Voilà. Ouais, je vais pas prendre... Il vient d'où, lui? Ah putain! Putain de merde. Voilà! Ouais, ça tu peux le dire. Hein. Bon, ils ont rien en fait hein, sur eux. Contrairement à The Last of Us ou à d'autres jeux du même genre en fait. Ah purée! Non, 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 toi tu restes dedans. Ou je vais te faire sortir, je sais pas. Il y en a un autre? Non. Je vais quand même la faire sortir au cas où si elle a un objet sur elle. Elle bougeait. Ou il bougeait, je sais même pas si c'est un mec ou une femme là. Ça se voit pas trop. Attends, je vais ranger ça là. Bon, bah il a rien. Ou elle a rien.
On va trancher, on sait jamais. Est-ce qu'il s'est réveillé lui? Attends, je vais quand même essayer un tout petit peu d'ouvrir. Non. Ça a pas l'air. On va le laisser dormir. Quoi? Il y en a derrière la porte? Si j'entends un bruit ou c'est ce que c'est Léon là qui fait du bruit pour rien? Je suis venu ici pour rien? Ah bah non, si, c'est vrai, je suis con. Non, non, c'est bon. J'ai la clé carreau. C'est toi Léon qui fait des bruits comme ça bizarres? Parce que... Par moment j'ai cru qu'il y a des rôdeurs, enfin des zombies. Là c'est bloqué donc il peut pas. Donc là je pense que au retour, en prenant la clé carreau, je pense que les chiens se seraient libérés. Bon c'est bon. C'est toi qui fais des bruits bizarres là. Donc c'est par ici. Donc je crois qu'en fait j'ai bien fait de tuer les zombies qui sont là. Hein. Voilà. Allez. Faudrait des balles par contre. Non, il n'y a personne ici, ça va. On va prendre la plante. Je la jetterai si besoin. C'est quoi ça? Pellicule, j'en aurais besoin, mais il faudra que je trouve une salle de... pour les photos. Donc, je pense que je devrais jeter la plante rouge. Rien quand les murs sont trop près. Est-ce que je peux pas venir hein? Je bah y a rien ici à faire. Hein. Est-ce que je dois retourner en arrière et retourner au commissariat? Ça là-dedans, déposer ça là-dedans aussi. Ça, je vais la déposer, on sait jamais. Je vais garder ça. Au cas où, on ne sait jamais. Ah non, on va déposer ça. Pas besoin d'avoir autant de choses sur moi. Voilà, tac. Attends, est-ce que j'ai pas d'autres choses à prendre? Non, c'est pas la peine. Non, bah c'est bon. On va voir si mon intuition est bonne de revenir en arrière. Attends. Non, c'est un mur. Allez, go, 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 go. Donc là, on vient de là. On a fouillé toute cette pièce. Bon, on va aller de ce côté-là. La manivelle, je peux la mettre où? Autre part, puisque... La petite salle du passage secret, mais... Je vois pas où je peux la mettre. Tout fouillé. Hein. Pas le choix. Hein.
Ah, d'accord. Ouais, mais j'ai pas beaucoup de balles. Je vais pas utiliser la moindre balle pour ça. C'est les bonus, un peu comme dans Resident Evil 7, où on avait des espèces de petites figurines comme ça. Pas les mêmes, mais à peu près pareil. Bon, bah, pas ici en tout cas. Qu'est-ce que je dois faire par là? Vu que je peux pas retourner à l'ascenseur. C'est mes pas qu'on entend. Non plus. Quand même vérifier, hein, puisque. Non, y a rien. Est-ce que j'ai été jusqu'au bout là? J'étais pas dans. J'avais. Ah mince, j'ai oublié cette porte là. On entend un chien. Il est là. Non, ça c'était un truc brillant. C'est quoi ça? Composants électroniques en boîte. Est-ce que je peux faire quelque chose avec? Oui. Qu'est-ce que j'ai pris? Composants électroniques. Un petit composant électronique. D'accord. Y a quelque chose à faire avec? Ah oui, ça mettre dans la cellule. Enfin, à côté de la cellule du mec qui s'est fait éclater la tête par le par Mister X. Ça marche, hein? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui marche. Rien par là. Je vais faire super gaffe quand même. Ici y a rien. Non, c'est bon. Y a un chien par loin. Ou un rôdeur. Bah. J'actionne tout. Je sais pas, peut-être que ça va être utile. Au retour, je vais me faire attaquer? Il y a une herbe ici. Je sens que je vais me faire attaquer au retour. Ah, j'avais pas vu que c'était ouvert ici, moi. Voilà, y a que ça? Voyez avec ça. On entend un zombie, mais il doit être dans une pièce à côté. Bah, quelque part. Ok, d'accord. Bah, en fait, je me dis, mais je voyais pas où je devais aller. J'ai oublié qu'il y avait une porte ici. Donc, j'ai le composant. Donc, je peux revenir en arrière. Je sens que je vais faire attaquer au retour. Qu'il va y avoir un Lickers ou des zombies. Non, c'est bon. Allez, go. C'est tout? Ah, il en manque un, je crois, non? Ou plusieurs encore. Oh, je sais même pas, je vois pas ce que je dois faire là-dessus. À part le truc que je viens de mettre. Est-ce que c'est bon?
Non. Parce que j'ai activé alors, c'est quoi les boutons? Oh, j'y comprends rien là. Est-ce que je peux là cette fois? Non? Non. Oh là 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 là. Ah oui, putain, j'avais pas compris moi, je croyais que je devais tous les allumer. Voilà, d'accord. C'est bon, j'ai ouvert la porte ici donc. Je m'en doutais! Je me doutais qu'il y avait à avoir le chien! Poule! J'ai un succès, poule! J'en étais sûr! J'en étais sûr! Je me disais, mais c'était bizarre quand même que. Que personne m'attaquait. Et ben voilà, je sais pourquoi. J'avais mal fait mon truc. Je peux le faire. Ah oui, il y en a un autre là. Putain, j'ai très peu de munitions. J'ai tellement mal visé dans le dernier épisode. Oh putain! Oh, regarde, regarde, il recule. Et voilà. Putain, regarde, j'ai que 24 balles et que 3 balles de fusil à pompe. Oh purée! Regarde! Putain, c'est pas possible! Ah! Non! Regarde! Ah, les chiens sont super chiants! C'est bon? Et voilà, plus 15 balles. Oh là 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 là. J'ai bien fait de tuer les trois chiens là. Je vais pas me soigner tout de suite, hein. Ça va, je suis blessé, mais pas plus que ça. Purée. Les chiens sont super difficiles parce qu'ils bougent plus que les zombies, donc. Je sais que j'ai une plante rouge. Dans le coffre. Donc si j'ai une plante verte, tout ça, faudra que je la mette dedans. Enfin, je la mette avec, avec ça. Attends, je peux pas y aller là-bas? Ah mais non! Non, non, c'est bon. D'accord, j'ai cru que... Non, non, c'est bon. C'est la grille que je voyais quand j'ai réactivé quelque chose. Oula, on est où là? Ok. C'est quoi ici? Ah, fusil à pompe, merci. Non, regardez ça. Merci. Ah.
Voilà. Ok, zone de sûreté. On dépose ça. Ou pas. Attends. On va le prendre. On va prendre ça aussi pour le mélanger avec. Non, c'est bon. Pas ça, si. Attends. Non. On va déposer ça. Voilà. Donc là, on va se regarder tout à l'heure. Munitions, merci. Mais c'est pas assez. Il m'en faut encore plus. Ah, alors attends. J'en ai un autre que j'ai laissé là. Il est où? Pellicule. Ah, j'en avais un autre? Ah non, je l'ai utilisé pour faire des munitions de fusil à pompe. Oui, d'accord. C'est bon, j'ai rien dit. C'est quoi ça? Ah, Magnum. On dépose. Attends, on dépose, on va voir déjà ce qu'il y a. C'est quoi ça? Électrique. Ok, d'accord. Je vais en avoir besoin, je pense. Mais au cas où, on va le déposer. Ça et ça. Je vais garder ça. Ouais, on verra bien plus tard. On va se garder. Voilà. Y a rien par là, on peut pas regarder. Donc c'est bon. Oula. Donc cette fenêtre. Je sais pas. J'ai du bois. Pas sur moi, mais dans le coffre. On va pas l'utiliser pour l'instant. Ah, si, si. Finalement, si. Si, si, finalement, si. Parce que j'ai. Pas forcément bon viseur là ces derniers temps. Voilà. J'en trouverai sans doute, sans doute, sans doute d'autres. Ah bah oui, comme tu dis. Ah purée. Pas le choix. Allez! Merde. Voilà, lui, il est dead. Viens là, toi. J'arrive pas à voir si. Attends. Viens là, toi, je viserai mieux comme ça. Ah, mais il me voit pas. Ah! Voilà. Attends. C'est bon? Ou c'est pas bon? Putain, j'ai récupéré des. Ah, j'ai cru qu'il était tapé là. Il a pas vu qu'il y avait les autres fenêtres. Mais bon, tant mieux. Ah, toutes les fenêtres en fait peuvent. Ah bah je l'ai gardé finalement. Oh non, couteau, merci. Oh enfin, un couteau. Bah faut que j'aille récupérer le composant. Je croyais que je l'avais gardé sur moi. Non, non. Ouais, je croyais. Au cas où... Ouais, attends. Comme ça, attaque. Toi, tu viens avec moi. On va laisser comme ça. On ne sait jamais. Oui, tu souffres, Léon.
Oula! Attends, attends, attends. Non! Oh! On est de l'autre côté, donc on est revenu. D'accord, on est revenu. Bon, je suis revenu. D'accord. Oh, mais j'ai bien fait de mettre la planche. Ici. Donc attends, je suis revenu ici. Ouais, je vais retourner au hall. Est-ce que j'ai récupéré ce qu'il y avait ici? Non, j'ai... Ah, des planches. Et des balles. C'est bon. Bon, 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 bon. Est-ce qu'il y a des zombies là maintenant? Est-ce que Marvin s'est transformé? On va le voir direct. Allez, tu... Ouais, il s'est transformé. Marvin. Oh si, on savait très bien. Ah putain, c'est pas possible ça. Je vise tellement mal. Je l'ai arraché une jambe. J'accomplirai ma mission, lieutenant. Coûte que coûte. Bah ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec son ordi? Non? Bon. Et là, je peux pas retourner ici comme ça, alors qu'il y a les 3 médaillons. Hein. Mais bon. Bon, on va voir les... Comment ça s'appelle? Donc maintenant, cette... Est-ce que c'est safe ou pas, finalement? Non, pas ça. Donc, je vais garder les planches, on sait jamais. Ça, je vais déposer, parce que j'ai rien d'autre avec. J'ai rien d'autre, hein. On va laisser comme ça. J'ai la carte... la carte. La clé carreau, ça va ouvrir où? Eh bien, vous savez, on va s'arrêter ici. Hein, là où nous avons commencé, d'ailleurs. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu quand même. Likez la vidéo avec un gros pouce bleu. Partagez avec vos amis. Laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouvera dans le prochain épisode. Ciao, ciao! Because I know I'll kill my enemies when they come.